Non, ce n'est pas une blague. En ce jour du 1er avril, le monde pleure son dernier rempart contre la méchanceté. En effet, le respect nous a quittés et cela va changer notre vie. À jamais. Retour sur la plus grande perte de l'humanité, un reportage signé par Raffé en 3 exemplaires. On n'avait jamais vu ça auparavant, c'était inconcevable que cela puisse arriver un jour. La semaine dernière, les réseaux sociaux s'agitaient et se réunissaient autour de l'affaire Leblanc, un producteur de films indépendant qui abusait, verbalement et physiquement, les jeunes filles venues travailler pour lui. Sur les réseaux sociaux, les trolls n'ont pas tardé à réagir. Lol, il leur a montré où était la cuisine et elles étaient pas contentes. Vive le féminisme 2.0. You know where those fucking bees... C'est la course au buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut gagner quelques followers, mais malheureusement, il y a toujours quelques idiots pour faire quelques blagues déplacées. Sans se soucier que, à cause de tout ça, le respect se trouve dans un état critique. Excusez-moi, c'est horrible. Les réactions en commentaire autour de ce connard deviennent de plus en plus virulentes. Les insultes fusent dans tous les sens et plus personne ne fait attention aux conséquences. Même sa petite sœur ne cautionne pas cette réaction et se permet à son tour de le tacler. Je pense que c'est ce qui a déclenché le coup fatal. La honte que tu sois mon frère, sale ordure. Hashtag pray for respect. La honte de ces FDP qui ont une photo de profil, je suis Charlie, et qui comprennent pas une blague sur un producteur de films de cul. Sale merde. C'est le coup fatal. Les médecins font le maximum, mais l'impensable se produit. C'est inconcevable de nos jours, au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, que ce genre de choses soit possible. 23h42. Les médecins sont impuissants. Les hashtags sur les réseaux sociaux, sans effet. Le respect est mort. On a passé tellement d'années à le faire souffrir sans même se rendre compte de la gravité de nos actes qu'il a fini par nous quitter. C'est inconcevable. Mais plus aucune forme de respect ne pourra jamais exister. Ils ont à eux deux fini d'achever un concept qui perdure depuis que Moïse a séparé la mer en deux. Et depuis que moi j'ai tronché ta mère en deux. Que ça nous serve de leçon. On a perdu le respect. Mais j'espère au moins qu'on sera moins con avec l'écologie et qu'on prendra enfin soin de la planète. Il a raison. Sans aucun respect, le racisme, les insultes ou bien même l'humour n'ont aucune limite. Et comme le disait un connard sur Facebook, l'humour n'a de limite que pour les gens limités. Donc sortez-vous les doigts du cul et commencez à rire de tout. Ou continuez à être des gros cons et allez vous faire foutre. Moi je me casse.